Alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est évidemment de savoir comment ça marche. C'est-à-dire, ça veut dire quoi faire du job sharing? Dans ces moments-là, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un qui a la même position, la même préoccupation, qui comprend en fait cette position du leader avec lequel on peut vraiment collaborer, échanger. Parce qu'on sait que c'est voilà, c'est quelqu'un de confiance, avec qui on a l'habitude de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que j'ai trouvé, avec Yves. Alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait qu'on a des échanges, qu'on a des visions différentes, qu'on arrive avec des compétences différentes, des expériences différentes. Donc, ça enrichit la prise de décision. On est plus efficace, c'est-à-dire que ça nous donne de l'énergie. Ça peut être vu comme étant un peu particulier, mais on n'a pas tellement de réactions de notre entourage. Probablement, vu que c'est spontané et naturel pour nous, ça l'est également pour nos clients ou pour nos partenaires. Dans ma vie, la musique compte énormément. C'est-à-dire que je la joue depuis tout petit, puisque je suis fils d'une mère musicienne qui ne m'a pas laissé le choix. J'ai fait de la flûte, du piano, du saxophone, de la trompette. Je suis parti en Afrique, j'ai découvert les percussions africaines. Et puis après, j'ai voyagé en Amérique du Sud, je suis tombé amoureux de la salsa. Et tout ça m'a conduit en 2004 à créer le groupe de musique Nolossé, dont vous avez pu voir les images. Au niveau personnel, il y a deux aspects. Le premier, c'est un équilibre vie privée-vie professionnelle. Et le deuxième, c'est de pouvoir équilibrer aussi le rôle de CEO avec un rôle beaucoup plus opérationnel qui nous intéresse chez Ecclusion. On est dans un mode où on collabore et on travaille à plusieurs tout le temps, tout le temps. Donc c'est normal finalement qu'on retrouve ces éléments-là aussi dans une fonction dirigeante d'une société ou d'un projet. Les organisations cherchent à innover, à être agiles, à être flexibles. Et le job sharing est complètement en ligne avec un nouveau mode d'organisation qui va s'imposer ces prochaines années.